Alors, c'est un sketch sur une clocharde. Je préviens. Hé, ma sœur, tu perds ta culotte. Hé, dis donc, toi, t'aurais pas un petit billet, un paquet de clopes, un ticket resto? Non? Ouais, bah ferme bien ta gueule, alors. Ouais, non, mais je vous explique, en fait, ça, c'est mes cartons, tu vois. Les cartons, c'est comme les apparts, hein. Faut en visiter, faut avoir le coup de cœur, quoi. Ça, c'est du déménageur breton. Ah, ça bouge pas, je peux vous le dire, hein. Même sous la flotte, il gondole à peine. Au début, je me suis fait baiser, parce que j'ai pris les cartons de chez... Ah bah, résultat, c'est comme leur conserve. Ah bah, c'est de la merde. 1,20€ le couscous en boîte pour 8 personnes, t'as vu jouer ça où, toi? Hé, qu'est-ce que tu veux, toi? Non, mais moi, je reste là, je suis bien. Par contre, toi, tu vas bien fermer ta gueule. Ouais, tranquillement. Non, mais j'ai pas toujours été dans la rue. J'ai connu le monde de l'entreprise. Je travaillais dans une usine de surimi, tu vois. Mais un jour, j'ai eu l'idée de boire le colorant orange, là, tu vois, des petits bâtonnets, là. Oh, bah, la galère, ça m'a... Eh, c'est ça qui m'a carrément cramé les cordes vocales, quoi. Du coup, attends, du poisson en forme de bâtonnet qui sort de la mer, t'as vu jouer ça où, toi? Du coup, bon an, mal an, tu vois, je suis parti à la campagne en convalescence, dans la région de Cognac. Alors, c'est tout de suite une autre qualité de vie. Hein. Ah bah ouais, ah bah. Et puis, c'est là-bas que j'ai découvert la picole, tu vois. Oh, je vivais avec une troupe d'artistes, de mecs super. Il y avait Titi, tu vois, et c'est un cracheur de feu. Ah, il était fort, Titi. Hein. Mais en fait, il crachait du feu sur les passants, tu vois. J'aime autant dire qu'il a grillé 2-3 merguez. Après, il y avait Jean-Jean, il avait un diabolo, tu vois. Il l'envoyait tellement fort, le truc, que des fois, on le voyait pas redescendre du tout, quoi. Donc, on était bien, on était dehors, on profitait du grand air. Donc, le matin, on tournait au Kirsch. L'après-midi, tu vois, quelques bières pour redescendre. Et le soir, un peu d'héro pour sa pulse. Et non mais je rigole, mais c'est pas drôle. En fait, tout allait bien jusqu'à la mort d'Aznavour. Aznavour, putain. C'est mon berger allemand, tu vois. En fait, une fois, il a bouffé tous les extas de Dédé, tu vois. Et il est parti comme une flèche sur l'autoroute, quoi. Il doublait les bagnoles et tout, ça pulsait grave. Moi, je gérais plus le clébard, tu vois. Et il a été stoppé net par Charal. Vous voyez qu'est-ce que c'est les camions frigorifiques Charal? Moi, je me dis, c'est une belle mort parce que il a toujours aimé la bidoche. Donc après, bon an, mal an, tu vois, je suis rentré à Paris et j'ai essayé de faire le tapin. Bon, bah, ça marchait pas très fort parce que, à l'époque, j'étais déjà un peu clochot, vous voyez. Ah, puis la misère, ça pue. Hein. Ça te ruine une clientèle, quoi. Ah, si un jour j'ai eu un client hyper classe, le gars, tu vois. On est monté, j'ai à peine ouvert le bec pour l'embrasser qu'il est tombé raide par terre, le mec. Ah, ça, c'est pas la peine de rigoler, hein. Je m'étais pas lavé les dents et tout. Donc, du coup, je l'ai enjambé, j'y ai pris un petit billet, et puis je me suis offert un bon repas de fête, tu vois. Un œuf mayonnaise avec 3 pichets de rosé. C'est, voilà, moi, c'est mon repas de Noël, tu vois. Donc, de quoi? Qu'est-ce que tu veux, toi? Ah non, 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 pas au raisin, je prends pas ça. Non, 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 non. Non, par contre, à côté de la boulange, t'as un petit Nicolas, là. T'as qu'à aller me chercher une petite bouteille de vin de pays. Ouais. Quoi, ma santé? Dis donc, t'as vu ta gueule, toi? Non, non, mais attends, c'est pas moi qui ai choisi la picole. C'est la picole qui m'a choisi. Sur ce, mes respects, bonsoir. C'est magnifique. Delphine Baril.